Le troisième est loin, parallèle, ici, tout en écoutant ma voix, tu te concentres sur cette partie-là. Ici, tu te concentres pas comme si j'avais un feu qui partait sur quelqu'un. Ici, tu te concentres comme si j'avais un feu qui partait. Serre bien ses deux mains comme si j'avais un feu, serre bien les deux mains comme si comprimais ce mur. Fixe bien ton regard sur ce point comme si j'avais un feu qui partait très loin. Dors, détends-toi complètement dans la vie, tu prends les mains et les pieds, tu sens bien. Tout ce corps se détend. 3, tu te relâches. 2, fois que tu prends les mains. 2, fois que tu détends. 1, je me mets en tous les muscles, ce corps se relâche sans la tête. Voici la relaxation de l'avenir. 2, fois que tu calmes. 1, 0, complètement relâché. Maintenant, je vais prendre ce bras. Je vais relâcher ce bras. Je vais soulever ce bras. Chaque fois que je vais soulever, relâcher ce bras. Ce bras. Nous avons bien Isama parce qu'il habite au Carmo. Maintenant, vous allez imaginer un tableau noir. Sur ce tableau noir, tu as écrit dans les chiffres de 1 jusqu'à 9. Tu écris le 1, tu écris le 2, tu écris le 3 et tu les autres chiffres jusqu'à 9. Alors, on continue d'écrire ces chiffres, mais ainsi de là. Les années que j'ai dit à Catherine, que nous, chaque fois qu'on demande le conseil général, on touche complètement. Je viens de lui montrer. Oui, moi je te promets. Maintenant, tu vas prendre un effaceur. Cet effaceur, c'est un effaceur magique. Tu vas effacer le chiffre 5. Quand tu vas effacer le chiffre 5, ce chiffre 5 va disparaître aussi de ton esprit, disparaître de ta mémoire. C'est parti. Maintenant, tu prends cet effaceur et tu effaces ce chiffre. Quand tu vas finir d'effacer ce chiffre, tu me files un signe de la réponse. Ne m'attrise pas, moi. Mais très bien. Maintenant, on va ce chiffre a disparu de sur le tableau et même l'espace où était écrit ce chiffre a disparu aussi. Comme par magie, les chiffres se resserrent l'un contre l'autre. Et maintenant, tu peux lire sur le tableau les chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Après le 4, il y a le 6, avant le 4, avant le 6, il y a le 4. La seule manière de compter maintenant quand je demanderai de compter, ce sera 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas toujours compter de cette manière-là, c'est la seule manière pour toi de compter. Quand tu te réveilleras, je compte jusqu'à 3, tu te réveilleras et tu compteras 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, réveille-toi. Voilà maintenant. On va faire un petit exercice. Tu mets tes mains comme ça. Puis tu vas compter tes doigts haute voix. Touche les doigts, chaque fois que je couche, tu touches les doigts, tu comptes tes doigts haute voix. Tes doigts haute voix. T'en avais 11 tout à l'heure, maintenant t'en as 12, c'est normal? Non, c'est pas normal. Regarde mon doigt, le 5 revient. Ça va?
Maintenant, tu vas imaginer ce tableau sur le tableau noir. Sur ce tableau noir, tu vas écrire ton prénom. Tu écris Manon dans toutes lettres. Et quand tu vas finir d'écrire ton prénom, tu me feras un signe de la tête. Maintenant, tu vas prendre cet effaceur magique et tu vas effacer ton prénom. Tu vas effacer chacun des lettres de ton prénom. Quand tu auras fini d'écrire ça, ce prénom, je me ferai un signe de la tête. C'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, ce prénom a été effacé sur le tableau, ce prénom a disparu de ton esprit, disparu de ta mémoire. Même aussi, c'est pour toi de te rappeler de ce prénom. Tu chercheras ce prénom, puisque ce prénom a disparu de ton esprit, disparu de ta mémoire. Impossible pour toi de t'en rappeler. Tu imagines ce prénom, qui, comme si ce prénom s'éloignait sur la route de la nuit dans le brouillard, et plus ce prénom s'éloigne dans ce brouillard, et plus ce prénom disparaît de ton esprit, disparaît de ton mémoire. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3 tu te réveilleras, il sera impossible pour toi de te rappeler ton prénom. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va, Manon? Ouais. Moi c'est Ronald, comment tu t'appelles déjà? Plus tu cherches, moins tu arrives. Plus tu cherches, moins tu arrives. Plus tu cherches, plus il disparaît de ta mémoire. Plus tu cherches, moins tu arrives. Regarde, j'ai un prénom dans ma main, c'est Philippe, maintenant tu t'appelles Philippe. Philippe, c'est ton prénom. Comment tu t'appelles? Moi c'est Ronald, toi comment tu t'appelles? Philippe. Ouais, c'est chouette Philippe comme prénom. Hein. C'est un prénom de garçon quand même. Mmh. Hein? Je prends Philippe, j'enlève Philippe de ta tête. Regarde cette main. Tu t'appelles Marguerite. Maintenant, tu t'appelles Marguerite. Marguerite, c'est ton prénom. Comment tu t'appelles? Marguerite. C'est joli comme prénom, Marguerite. Hein? C'est sympa. Hein? Non. Tu ne t'appelles pas Marguerite? Non. Alors, j'enlève Marguerite. J'enlève Marguerite de ta tête. Maintenant, tu t'appelles Choucroute. Choucroute, c'est ton prénom. Comment tu t'appelles maintenant? Choucroute. Ouais, c'est rigolo comme prénom. J'aimerais m'appeler Choucroute. Hein? Moi, j'avais un pote qui s'appelait Choucroute. C'est super, hein? Non? Ça va pas, non. J'enlève Choucroute. Choucroute, j'enlève Choucroute de ta tête. Hein? Là, tu t'appelles Cassoulet. Cassoulet, c'est ton prénom. Moi, c'est ton prénom. Hein? Cassoulet, c'est génial ça. J'adore les gens qui appellent Cassoulet. J'enlève Cassoulet de ta tête. Ton prénom revient. Manon, Manon, c'est ton prénom. Manon revient dans ta tête. Oui, tout à fait. Manon. Manon, c'est ça. C'est bon? Oui. C'est bon? Je regarde mon doigt? Maintenant, tu vas te réveiller. Quand tu vas te réveiller, tu vas faire une énergie. Pleine de patates. Tu vas te sentir super. C'est bien, c'est bien. Comme après, il sort. Comme après une heure de massage. Une heure de massage, tu te sens détendu, relâché. Et tu vas te sentir pleine de tonicité. Ce soir, quand tu vas te coucher, sera facilement, sera très facile pour toi de t'endormir. Tu vas te rendormir très facilement. Le matin, tu te sentiras bien. Tu peux même imaginer comme si tu avais passé une longue heure sur le pied de plage en plein soleil. Tout d'un coup, tu as envie de te le baigner. Et la eau de la mer est très froide. La mer est très fraîche, très froide. C'est difficile pour toi de rentrer, mais tu vas y rentrer. Tu te baignes dans cette eau froide et quand tu vas sortir, tu vas t'avancer. Plein d'énergie, plein d'énergie, plein de pêche, plein de patates. Tu seras en pleine forme. Ce soir, tu pourras te coucher tranquillement. Tu n'auras pas de pluie. Si tu ne peux pas dormir, ce sera très facile pour toi de t'endormir. Demain, quand tu vas te réveiller, tu vas te réveiller avec pleine énergie. Tu pourras t'attirer une bonne chance, une bonne chance de travail. Ça va de toi. C'était bon, tu vas arrêter. On va te montrer. Tu sens bien? Oui. Pas de problème de mot de tête, tout va bien. Et...